Et la Commission vient compléter le travail qui est déjà abattu. Le pas franchi n'est pas négligeable. Vous savez que il y a toujours eu un dialogue entre acteurs sociopolitiques burundais. Avant les élections, il y a eu la confection de la feuille de route à Kayanza, il y a le dialogue au Bénube, il y a eu différents colloques et séminaires qui ont été organisés, soit par la CENI et d'autres organisations. Vous avez suivi les états généraux de la justice, etc. Donc, des espaces de dialogue, il y en a eu. Mais cette commission vient apporter sa pierre à l'édifice et non élaguer ou mettre un terme ou effacer ce qui est déjà fait, mais la Commission vient apporter sa contribution afin que le dialogue continue à être le modus operandi du gouvernement burundais et du peuple burundais.